Bonjour à tous et à toutes, j'ai changé un peu de stratégie. J'ai décidé de prendre de la hauteur, c'est-à-dire de monter une dune pour voir si, en étant en hauteur, on aurait plus d'oiseaux. Il y a une palombe. Il y a une palombe qui est passée pas loin. Il y a du vent. Donc ça déjà, ça peut faire bouger un peu le gibier. Tu vois, alors là, je suis en hauteur là. J'avais déjà filmé à l'époque. Je suis vraiment en hauteur. On est quasiment à la cime des arbres. Quand tu regardes, t'es quasiment à la cime des arbres, quelque chose près. Alors j'ai vu vers là-bas là, des palombes qui sont passées vers là-bas là. Là, j'en ai vu deux ou trois qui sont passées déjà. Et là-bas au fond, hein, tout à fait au fond. Là, il y en a une qui vole. Et elle vient pas vers nous. Il y en a une qui a volé pas loin et elle venait pas vers nous. Il y en a une là-bas qui passe, au fond. Elle passe surtout là-bas au fond, hein, tout à fait au fond. Dans l'autre, je me disais qu'en prenant de la hauteur, je verrais mieux. Ah, c'est beaucoup, beaucoup, hein. Moi, je sais pas si tu vas voir la pique. Sais pas si tu vois le ravin là. On est vraiment en hauteur là. Il y en a quelques-unes qui passèrent là-bas au fond, là. Sur tout le fond, mais pour l'instant pas vers moi. Des fois ça peut être bon. Des fois ça peut être bon de se mettre en hauteur. Parce que ça permet de gagner du. Ça permet de gagner du. De la... En se mettant en hauteur, tu peux gagner en portée aussi. Et ça peut avoir quelques avantages. Il faut savoir, c'est qu'il fait presque 30 degrés aujourd'hui. Donc, mais il y a du vent. Donc le fait qu'il y ait du vent, ça peut amener les oiseaux à bouger plus. J'en ai déjà vu quelques-unes. Alors je vais rester dans la zone. Je vais essayer de fixer la caméra. Voir si je peux pas la fixer sur ma tête. Et on va voir ce qu'on va trouver, si je vais voir quelque chose ou pas. Parce que là, actuellement. Malgré que je sois là-bas, tu vois, en hauteur, c'est calme. Faut regarder au fond là-bas, il y a quelques nuages, on a un beau soleil. Et tu vois là-bas au fond, là, ça passe d'habitude là-bas au fond. Et des fois, du fond de là-bas, ça revient vers nous. Mais là, que dalle, là, que dalle. Incontestablement, que dalle. Là, je peux te dire que c'est que dalle. On va voir, on va essayer de peut-être pas de trop bouger de cette zone. Car quand j'ai le soleil en pleine tronche, ça ne va pas m'arranger à part pour faire la bronzette. Mais en dehors de ça, c'est encore calme. Tu vois, même les côtés là, tu vois, tout ça c'est tirable. Et on voit qu'au ras de la cime, il passe rien, tu vois. On a des beaux nuages. Par contre, il y a des beaux nuages. Hein. Aujourd'hui, c'est le moutonné. Ciel dégagé et moutonné, tu vois. C'est très très beau. Alors, je sais pas si à la GoPro tu vas voir la notion de la hauteur. Mais bon, je te montre un peu le bas du ravin, là, tu vois ça. Je suis en haut d'une dune. Attends, je vais me remettre là. Je vais me remettre par là, là. Et puis voilà. Là, je reviens à l'ombre, tu vois. Parce que le kit de bronzette, c'est bon pour la caméra, mais c'est pas bon pour les gibiers. Alors, des fois, ça arrive par là. Dans cette zone-là, des fois, ça passe. J'en ai vu par le passé, mais pas à 30. À l'époque, ça passait par là. Maintenant, tu sais, c'est aléatoire. Hein. C'est vraiment très aléatoire. Il y a un vent de malade. Alors, est-ce que ça va faire bouger le gibier? J'en sais rien. Est-ce que tu m'entends? J'en sais rien. Désolé, c'est filmé sur le vif. Alors, je sais pas si tu as vu la palombe tout à l'heure que je t'ai montré là. Tu me diras si tu l'as vu derrière l'arbre. Mais c'est calme. On est le 24 octobre. Là. 24 octobre 2022. À l'heure où je tourne la vidéo. Hein. La période où je tourne n'est pas la période où je publie, d'accord? Voilà. Ah là, là, il y en a. Ah, elles arrivent. Tu les as vues? Elles arrivaient belles. Tu les as vues celles-là? Alors pourquoi, Marc, pourquoi t'as pas tiré? Parce que pour l'instant, je cherche à pas faire de bruit. Je préfère qu'elles m'ignorent
Je sais pas si tu les as vues, mais elles arrivaient belles, celles-là. Regarde. Tu la vois? Je sais pas si tu vas la voir passer. Il y en a deux qui rôdent, là. Je laisse passer. Alors, elles sont passées, là. Pour l'instant, je tire pas. Pourquoi? Parce que je veux qu'elles prennent confiance. Et après, quand je vais couper la caméra, je vais la mettre peut-être sur la tête, et j'essaierai de tirer quelques-unes. Et pour l'instant, je ne bouge pas, parce que c'est peut-être des éclaireuses. Certaines palombes sont éclaireuses, et certaines palombes envoient des rôdeuses pour surveiller le vol. Et si les rôdeuses ne se font pas tirer dessus, des fois, ça peut amener à plus. Donc, on va se retrouver sur ma tête, dans une autre portion de vidéo, bien sûr. Je vais arrêter la vidéo jusque-là. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. En attendant, tu peux t'abonner à Marpêcher aux 3 chasses. Et je te dis au revoir, à bientôt et merci.